aujourd'hui, on voit que c'est un lieu super calme. Je crois qu'ils ont compacté tous les animaux à un endroit bien précis, parce que alors, demain, l'île appartient à environ 3000 personnes déguisées qui vont descendre un grand toboggan rempli d'eau qui va presque jusque dans le lac, qui vont sauter du pont, ressortir sur une île, repasser sur des pontons, s'accrocher dans les arbres, monter des fois jusqu'à presque 5-6 mètres de hauteur, le tout déguisé. On a Cléopâtre qui poursuit Obélix, qui poursuit une sorcière, qui poursuit des vampires. Enfin, c'est un petit bol d'air pur. Le feu d'artifice de la saison de la civière. Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils ont envie d'en découdre avec la déjantée? La folie. On s'en fout. C'est pas de fou pour faire ça. Le défi, les obstacles, voilà, c'est parti. D'être en équipe déguisée, l'ambiance bonne enfant. C'est ça. Il y a une bonne ambiance, on est tous déguisés, personne ne se prend au sérieux, c'est sympa. Le parcours il a changé, il est pas mal parce que les obstacles sont bien répartis du coup. Et toujours les passages dans la boue étaient très sympas. Ouais. Ah, celui-là est excellent. Ah ouais, comme ça on s'est bien respiré tout l'après-midi, après on s'est bien senti. Ah, passer dans la boue, c'était marrant. La boue était bien, était ni trop solide, ni trop liquide, génial. Tout ce qui est dans l'eau et dans la boue, c'est quand même un petit peu la marque de fabrique de la déjantée. C'est pour ça qu'on aime ça, c'est pour ça qu'on revient. Les gens ont tous la banane, ont tous la volonté de finir. Il y a l'entraide, c'est bon esprit, ouais. L'ambiance. Ouais, l'ambiance est cool. Surpassée aussi. Ouais. Et puis c'est pas trop compétition. C'est vraiment sympa. Le pont, sauter du pont, c'était marrant aussi. Ah oui, le pont, oui, c'était bien. Le saut dans le pont du pont, c'est sympa aussi. J'ai attendu 40 ans pour faire ça. Parfait.
éclaté. C'était dur, il n'y avait pas assez d'eau. Bah, c'est vrai que c'était une épreuve relativement longue, relativement difficile, épuisante. Mais bon, l'ambiance est là, c'est le plus important, il y a une super organisation. Nous sommes une équipe de joueurs de Scrabble en fait. Nous n'avons pas tellement l'habitude de ce genre d'activité, mais pour notre part, ça s'est bien passé cette année encore. On n'a pas toute la tête, je crois.